Waregem, de thuisbasis van Mbaye Leye. Kapitein en ondertussen ook een van de boegbeelden van de fusieclub Zulte Waregem. En dat voor iemand die nogthans geen voetbalcarrière voor ogen had. We speelden in 2007 nog een jaar samen in het Regenboogstadion. Benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Mbaye, ça va? Hier, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va? Ça va, entrez. Goedemorgen. Bonjour. Klaar van naar school te gaan? Ja. Ja? C'est moi le taxi aujourd'hui. T'es un bon chauffeur, hein? C'est mieux comme chauffeur que gardien de but. Tu penses? Allez. Vas-y. Tu viens mettre tes habits, Mimi? Est-ce qu'il y a beaucoup de tasses? Ah, j'ai pas de beaucoup de tasses, moi. Papa, il a pas de beaucoup de tasses. Hein? Allez. Pour pouvoir m'acheter une autre maman. Ben non. Pour jouer au foot, t'as pas besoin de beaucoup de tasses, ma chérie. Vas-y. Mets-toi derrière. Allez, tu vas plus à l'intérieur. Ton frère va rentrer. Tu me dis le chemin, hein, parce que c'est pas moi. Okay. Tout droit? Tout droit. Ah, ok. Tu dis pas pourquoi tu veux arriver plus tôt tous les jours à l'école? À droite. À droite. Pour jouer au foot? Ouais. C'est comme nous dans le temps, hein? Ah ouais, hein, oui. Vas-y, on va être en retard, papa, vas-y. Juste pour jouer au foot. Et tu joues où? Tu joues à Zulte Waregem aussi? Oui. Un attaquant, ton papa? Non, en fait, on change toujours de poste. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu préfères? Attaquant. Comme papa, alors. Et c'est qui le meilleur? C'est toi ou papa? Papa! On sait pas. Bah oui, hein, Mimi, c'est qui le meilleur? Papa. Ah, voilà. Ils sont bien réveillés, le matin. Ils sont toujours en forme, comme ça. Ils ont le réveil facile. Ouais. Je vais dire ça, ouais. Dès que tu les sautes du lit, et ils sont prêts. Mais ils aiment bien l'école ici à Waregem, ouais. Donc... Mais c'est une école néerlandophone. Oui, ouais. Oui, ils font tout en néerlandais. Ils parlent bien néerlandais, le petit. Il parle mieux que moi. Dus jullie spreken veel beter Nederlands dan papa? Ja. Ja? Attention, ils ont l'accent Waregem. Non. Spreek je altijd een beetje West-Vlaams? Ja. Ja? On dit quoi? Merci. Voilà. Goedemorgen. Ja. T'as vu, l'école est bien ici, hein? Allô? Goedemorgen. Goed, mais oui. Hallo, goed? Ja, hey. Goed. Zijn ze niet aan het voetballen, nee? Ja, wat is hier aan ons? Nee, maar... Nee, het is geen bal voor te kijken. Ah, en je mag niet meespelen. Geregeld, ah, ze mogen niet altijd voetballen. Ja, er is meer in het leven dan voetbal, hè. Wow, pas op. Pas op. Ik weet het niet. Hey, van de kol, hè. Sorry. Sorry, hè. Comme tu vois, quand je viens, c'est un peu toujours le bordel. Mbaye. Ton histoire qui commence en Europe, c'est pas une histoire habituelle. C'est différent des footballeurs en général africains qui arrivent en Europe. Moi, j'étais pas venu spécialement pour jouer au foot, donc c'était juste pour mes études. Donc, pour moi, mes parents, le football, c'était un hobby, c'était pas un métier. Donc, pour mon père, il fallait avoir des diplômes, aller dans un bureau ou travailler ou quelque chose. Donc, je suis arrivé chez ma sœur à Rennes. Et j'étais jeune. Elle habitait déjà à Rennes. Parce qu'elle a fait toutes ses études là-bas. Et j'avais quelqu'un sur qui compter aussi pour suivre le même chemin aussi, faire mes études. Et c'est comme ça, par hasard. Et quand vous venez en France et vous êtes africain, vous venez d'arriver, vous êtes perdu.
Et le seul moyen peut-être de s'adapter et de se faire des amis, c'est peut-être de jouer au foot. Et c'est comme ça que c'est commencé. Ah, ce sont vraiment tes parents qui t'ont envoyé en France? Parce que ma sœur était là. Et pour ma sœur, comme ils voyaient comment ça se passe en Afrique et spécialement au Sénégal pour les études, c'est mieux de les faire en Europe par rapport aux diplômes qui ont plus de valeur. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez elle. Et voilà, j'ai eu la chance d'arriver chez quelqu'un quand j'étais en Europe. Et quel métier était prévu pour toi alors en Europe? Sincèrement, il y avait pas de métier, mais il fallait faire, parce que moi j'ai fait de la littérature, j'ai eu un bac L en France, et c'était peut-être dans ce domaine. Et même quand je suis allé à l'université, j'ai changé parce que j'ai fait STAPS en France, c'est l'éducation physique, parce que voilà, j'aimais toujours le sport, je savais jouer au foot, faire du sport, mais il fallait des diplômes, donc oui, je pense que je serais resté dans le milieu sportif comme peut-être éducateur sportif. Et à certains moments, il y a de l'intérêt de la Belgique, de Waregem. Qu'est-ce que tu espères de trouver ici? Oui, l'intérêt de Waregem, ça vient un peu plus tard parce qu'après la 6e division, j'ai la chance d'aller à Lorient pour faire un stage. C'est un club que je jouais contre eux, ils étaient en 2e division. Et eux étaient sûrs que je pouvais jouer chez eux. Et comme ça, je suis arrivé chez eux. Eux, ils sont montés en première division. Donc, il fallait des joueurs qui ont joué longtemps. Et je suis allé à Amiens. Et à Amiens, en 2e division, c'est là que Zulte Waregem est arrivé. Et en ce moment-là, pour moi, c'était une aventure. Je m'étais dit, voilà, je vais aller en Belgique une année. Allez, je ne connais rien de la Belgique et peut-être ça va le faire. Et c'est comme ça que j'ai débarqué. Et tu étais là quand j'ai débarqué. Donc, tu fais partie de ceux qui m'ont aidé, de ceux qui m'ont accueilli et ceux qui m'ont donné des paires de chaussures pour jouer au foot. Donc, c'était pas parce que tu n'avais pas des chaussures. Oui. Tu aimais bien les chaussures colorées, c'était pour ça. Oui, j'aimais bien les chaussures colorées. Et toi, tu les aimais pas. Donc, quand tu les recevais de Nike, je les utilisais. Donc, mais je peux imaginer quand même que quand tu arrives à Waregem, c'est plutôt un choc. Oui. Qu'un rêve, quoi. Oui, c'est un choc parce que en ce moment-là, je savais même pas qu'en Belgique, c'était les Flamands et les Wallons ou quelque chose comme ça. Donc, je découvre la langue, je découvre que c'est pas le français, mais je m'habitue. Et franchement, j'ai été bien accueilli parce que je suis tombé sur un club qui est vraiment pas flamand à fond, je veux dire, où les gens s'expriment en français, où on répond, et c'est vraiment familial et voilà, j'ai été bien accueilli par les joueurs et ça s'est passé super bien. Tu comprends un peu la Belgique maintenant? Oui. Je pense que maintenant je suis assimilé, je comprends la Belgique par rapport à toutes les langues, par rapport à la Flandre orientale, occidentale et toutes ces trucs, je pense. Après quelques années ici, je me suis adapté et j'ai eu mes enfants qui sont nés et qui sont presque belges, je vais dire. Donc, toi, tu sens que le monde est changé? Oui, le monde change parce que maintenant, surtout avec toutes les histoires qui se passent, on n'est pas en sécurité, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on a en face. Et voilà, on a eu les problèmes qui se sont passés ici en Belgique avec tous les problèmes Molenbeek et tout ça. Et ça a fait que la Belgique a eu un peu une image écornée, une image pas bien, parce que tout le monde pense que quand tu habites en Belgique, même mes parents m'ont appelé pour me demander si ça allait, si tout se passait bien, si c'était pas dangereux. Tu es confronté avec ça parce que d'un côté tu es africain, tu es noir, d'autre côté tu es musulman. Ce sont des choses qui jouent vraiment pour le moment. Hein. Oui, qui jouent vraiment. Et comme tu disais, d'un côté tu es africain, tu es noir et que tu es arrivé en Europe, ici en Flandre surtout. Moi je suis bien accueilli ici. Peut-être c'est parce que je pense pas que c'est juste parce que je fais du foot, mais il y a une difficulté aussi dans ça, il faut l'accepter. Et je pense que le racisme, c'est juste une question d'éducation et d'ouverture d'esprit. Parce que certaines personnes qu'on pourrait passer racistes ne le sont pas. Peut-être ils ont juste peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou ils ont grandi.
Moi, des fois, je marche et des parents avec leurs enfants, ils ont un petit garçon et ils regardent et disent « Papa, il est tout noir et tout. » Et tu vois le papa qui est gêné. Et pour moi, ils ne doivent pas être gênés parce que c'est un enfant et peut-être qu'il ne comprend pas. C'est là où c'est important d'expliquer, oui, il est noir, mais nous, on est blanc. C'est peut-être parce que physiologiquement, il a plus de mélanine. Expliquer aux enfants que c'est comme ça que les gens sont noirs ou pas. Et après, autre chose, c'est que souvent, quand, avec les étrangers, comme tu disais, un Africain, quand un fait une bêtise, c'est une généralité. C'est, ils sont, on va dire, oh, ils sont comme ça. Mais non, c'est pas ça, c'est pas une généralité. C'est que les, que tu sois blanc, noir ou autre chose, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait quelque chose. Et voilà, pour moi, c'est question d'ouverture d'esprit et question d'aller vers l'autre pour comprendre. Tu, als je expérimenteert maintenant, tu te sens comme une responsabilité aussi de aider des jeunes qui arrivent ici pour leur vraiment expliquer ce qui peut se passer ici. Oui, oui, c'est toujours que quand tu vas à quelqu'un n'importe où, que tu dois t'adapter, tu dois suivre les règles et ce n'est pas en faisant à gauche et à droite qu'on réussit. Il faut suivre les règles et voilà, y aller, s'adapter, le respect des gens que tu trouves là-bas. Et le respect, on ne peut pas toujours dire « ouais, il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me respecte ». C'est une réciprocité. Quand tu ne le fais pas, quand tu ne respectes pas quelqu'un d'autre, tu ne peux pas t'attendre à qu'il te respecte. Et oui, je me sens redevable pour ces jeunes qui arrivent de leur expliquer, de dire, de parler avec eux. Même surtout les joueurs africains qui arrivent à Zultuar Game et tu as un discours à leur dire que ici c'est flamand, comme tu vas penser que c'est bizarre parce que la langue... Mais quand tu travailles et que tu respectes les gens, tout se passera bien. Je spreekt ook al een beetje Nederlands? Ja, ik spreek ook een beetje Nederlands. Ja, dat is normaal. Ik ben hier lange tijd. Mijn Nederlands is niet altijd goed, maar ik begrijp allemaal. En ik denk, als dat is gedaan met de voetbal, ik pak lessen van Nederlands voor een goede Nederlands. C'est aussi un genre de respect pour toi, je pense, de parler aux gens oui, ici. Oui, pour moi, je fais l'effort quand je rencontre les gens de parler en premier en néerlandais. Et les gens voient que je fais l'effort, je parle, même si ce n'est pas toujours un néerlandais sûr, mais je ne pourrais jamais l'avoir. Un Africain sénégalais qui parle le français et qui a un accent. Je vais citer un, Denis Odoy, quand je parle, il me dit « Arrête de parler allemand, c'est mieux que tu parles français parce que tu ne parles pas néerlandais. » Donc voilà, mais je fais l'effort de parler, mais je comprends bien le néerlandais. Oui. C'est un peu ta fierté aussi que les gens te voient comme un bon exemple pour plein d'autres. Oui. Ça, c'est aussi un peu ta personnalité. Oui, c'est ma personnalité. C'est ma personnalité de toujours vouloir faire bien les choses. Parce que peut-être c'est l'éducation que j'ai eue et je remercie vraiment mes parents. Aujourd'hui, ma mère est encore là et je fais tout pour ma mère. Tout, quand je dis tout, quand aujourd'hui je dois prendre mon salaire et tout lui livrer, je le fais. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a bien éduqué, bien mis dans les... parce que quand je vois comment ça se passe, je suis vraiment fier d'être son fils. Je peux m'imaginer que tes parents sont assez fiers aussi parce que maintenant, Mbaye c'est quelqu'un qui est fort connu au Sénégal, non? Oui, oui, mais... Mais pas pour ses études. Oui, mais non. et ils étaient très fiers parce que j'ai eu la chance quand même de jouer avec l'équipe nationale du Sénégal et c'est quelque chose que personne ne pouvait s'attendre parce que, comme je te disais, je ne jouais pas au pays et quand tu vas pour faire tes études, les gens pensaient que je faisais ça encore mes études jusqu'à ce que j'arrive en Belgique. Et comme ça, oui, c'est une fierté de leur part et oui, oui. Je suis content que quand je rentre au Sénégal,
Ma femme dit toujours, oui, mais c'est pas possible. Quand on rentre chez toi, ta maman a mis une grande photo et où sont les autres enfants, ils n'ont pas de photo et tout. J'ai dit, bah, je suis le plus petit, donc c'est pour ça. Explique-moi une fois, on a parlé de ta fierté, ta personnalité. À un certain moment, tu pars ici, après ta deuxième fois à Zultenbergen, et quand même, tu reviens pour une troisième fois. Ça, j'ai pas bien compris. Oui, oui. Parce que la deuxième fois que tu pars, le contrat ne se prolongeait pas, quoi. La deuxième fois que je pars, je dis c'est fini, je ne vais pas revenir. Comme on parlait tout à l'heure de fierté, de, je ne vais pas revenir. Je suis revenu parce que tu avais le sentiment à ce moment-là que tu n'étais plus valorisé, quoi, un peu. Oui, oui, oui. L'histoire, ça se commence à Ostende. Mm-hmm. Parce qu'avant Ostende, j'ai eu, même cette semaine, une réunion avec la direction et c'était en ce moment-là Ronny Schkelfout qui était là et je pouvais partir et tout, des trucs comme ça. Et à la fin, OK, je pars pas, on reste, on te renouvelle ton contrat. On était d'accord sur les modalités, quelque chose. Et c'est que... On se dit, OK, lundi, je t'envoie l'offre, mais le match de Ostende était le dimanche. Et malheureusement, le dimanche, je me blesse. Et voilà, je me blesse, c'est normal que le lundi, je ne peux pas recevoir l'offre. Parce que c'est le monde du football, on sait. Et voilà, mais pendant ma rééducation, je me dis que voilà, quand tu es blessé avec tout ce que j'ai fait pour le club ou quelque chose comme ça, on ne peut plus parler de mes 3 ans de contrat qu'on avait comme accord, mais tu peux venir me dire, OK, on avait un accord, mais vu ta blessure, on ne sait pas comment. On va te proposer juste 1 an pour que tu puisses prendre une revalidation, bien refaire, parce que c'était ma dernière année de contrat. Et ce n'était pas le cas, donc j'ai rien reçu, donc j'ai fait la revalidation. Quand je suis revenu et que tout le monde voyait que je suis bien revenu, que je peux encore jouer, c'est là que les renégociations continuent. Et en ce moment-là, c'est toujours ma fierté qui me perd. Hein. En ce moment-là, je dis, c'est pas possible que j'accepte ce qu'ils me proposent. Soit ils acceptent ce que moi je propose ou c'est fini. S'ils ont vraiment besoin de moi, ils sont d'accord avec moi ou il n'y a pas une négociation qui va se faire. Et voilà, et après comme ça, ça se finit et voilà. Et puis tu pars à Lokeren, tu joues là, et ils te redemandent, et quand même tu reviens. Oui, mais je dis toujours je reviens parce que comme je te dis, avec mes enfants, j'avais une maison ici, j'aime Wargame et je trouve que j'ai eu la chance d'atterrir comme premier club à Wargame. Je reviens parce que je me sens ici chez moi. Mais... Ça veut dire aussi que tu as un peu mis ta fierté un peu à côté pour le confort pour le total. Ouais. J'ai mis pour le total de côté parce que je pouvais dire OK, je reste à Lokeren parce que j'avais encore d'années de Lokeren au début ne voulait pas que je parte. Mais ce qui m'a fait aussi partir à Wargame, c'est ce qui m'a ramené à Wargame. Je vais l'expliquer parce que au moment où moi je me blesse et tout, c'est le moment où Wargame avait Malanda, avait Torgan Hazard, avait tout, mais certains jours étaient des jours de location et ça avait tellement bien marché que cette direction s'est dit, on va faire jouer que des jeunes, on va les vendre et après 2 ans, on va recevoir de l'argent en plus-value et on va recruter que des jeunes. Et ce qui s'est passé, ils ont recruté que des jeunes et l'année a été très difficile. Ils ont même pu descendre parce que moi j'étais parti, Davy était parti, tous les cadres étaient partis. Et là, ils se sont rendus compte que pour avoir une bonne équipe en Belgique, il faut un mix. Il faut des jeunes, il faut des personnes expérimentées, il faut des gens avec du caractère et toutes des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont mis tout à la poubelle de construire qu'avec des jeunes et revenir sur l'ancien temps avec des mix. Et c'est comme ça que c'est reparti, que le coach a pris contact avec moi, que c'est reparti avec le coach et Eddie. Et... me revoilà dans la maison. Alors ça te rend fier d'avoir joué combien 250 matchs maintenant pour Wargame et d'être meilleur buteur de l'histoire du club.
Oui, ça fait toujours plaisir quand tu restes. Parce qu'avec Wargame, j'ai jamais rien gagné. J'ai gagné avec Gand, avec Standard et avec Wargame, non. Et le fait de faire partie de l'histoire de ce club, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester. Parce que dans le foot, tout ce que tu fais sur le terrain, ça part parce que c'est la chaîne, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Mais le fait d'être meilleur buteur de l'histoire du club en première division, ça reste. Et oui, ça, c'est une fierté. Et j'espère pouvoir continuer ainsi. Peut-être le plus grand moment de l'histoire du club, tu l'as raté à 2 secondes? Oui, à 2 secondes. Et comme l'histoire se répète souvent à Anderlecht, je te jure, hein, quand on prend le deuxième but de Bentner, mm-hmm. j'y ai pensé. Parce que j'y ai pensé, je dis, zut, encore un coup franc dévié ici à Anderlecht. Mm-hmm. Et c'était le même Anderlecht quand on perd le coup. Et moi, je dévie le coup franc. Dans... C'était le coup franc de Biglia. Oui, qui est, je pense qu'il pouvait pas le tirer aussi mal. Mm-hmm. Aussi mal, il pouvait pas le tirer et c'est dedans parce que le coup franc est à la hauteur de ma hanche. Donc peut-être ça aurait été mieux qu'il le tire très bien et que ça va sur la barre. C'était la plus grande déception de ta carrière? Oui, ouais. Je pense que c'est la seule fois que j'ai pleuré sur un terrain de foot. Donc, parce que pour moi, je le dis encore, c'est incroyable qu'un club comme Zulte Waregem puisse avoir la petite chance d'être champion en Belgique. Donc c'était incroyable que ça peut se passer. Je me souviens à l'époque, toi tu étais le premier qui osait dire oui, je veux devenir champion. Oui. Ils n'ont pas regardé qu'est-ce que tu fais maintenant. Et je peux dire, il y a des joueurs ce jour-là qui avaient peur de le dire. Et moi je dis, écoute, quand tu arrives à ce niveau de la compétition, il faut avoir une certaine, je ne sais pas comment dire. Quand moi je veux boire le verre d'eau qui est là, je fais un effort d'amener ma main au verre d'eau. Quoi. Et il faut que tout le monde y croit, il faut pousser. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que tout le monde s'est dit oui, on va jouer pour être champion. Et être champion pendant 2 minutes à Anderlecht, avoir ce sentiment-là, c'est pour moi le succès de ma carrière. Hein. Ouais. Pendant même si c'est 2 minutes, je pense pas que. Il y aura beaucoup de fois que Zulte Waregem peut dire à la dernière journée des playoffs, on est champion pendant 2 minutes. Ça va avec les vieux. Bon. Les vieux, c'est pas normal dans le foot maintenant. On doit courir plus que les jeunes. Donc ça marche mieux, hein? Oui, on c'est essaye. Hein. Parce que tu es le plus vieux. Hein? Oui, je suis le plus vieux même sur le terrain. Parce que Karl n'est pas là, donc je suis le plus vieux. Et tu es le capitaine? Oui, et je suis le capitaine. Mais. Et ça te plaît un rôle comme capitaine? Oui, mais c'est un peu mon caractère, même les années où je l'avais pas, les années où ça a bien marché. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup communiquer avec les joueurs, je parle beaucoup, donc pour le coach, c'était plus facile, je pense aussi. Parce que dès un moment, comme tu dis, tu es arrivé ici, oui. il y a 9 ans maintenant, tu étais déjà quelqu'un qui voulait décider des choses, qui voulait prendre les choses en main. Quoi. C'est un peu mon caractère, un peu. Allez, je ne suis pas très passif, j'aime bien parler, j'aime bien discuter, aller avec les gens. Et voilà, toi, tu étais quelqu'un qui était là quand j'étais là. Et il y avait des anciens comme toi, comme Mathieu qui était là. J'allais toujours vers vous pour discuter. Mathieu Verschuur. Et voilà, moi, j'aime bien ça. Et aujourd'hui, c'est un peu mon tour de prendre les plus jeunes, d'essayer de les amener, d'essayer de les pousser
pour dire qu'on là, on peut rigoler dans les vestiaires, mais quand on est sur le terrain, il faut y aller, il faut bosser. Est-ce qu'on peut dire que d'un côté, tu es peut-être un peu une exception pour un joueur africain, avec tout le respect, mais oui. tu sais ce que je veux dire. Mais je comprends ta phrase, allez, venant de toi, je comprends ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et surtout de nos jours, c'est plus facile, surtout avec les Africains, quand un fait une bêtise. On le mais voit souvent ils sont très à l'aise. Oui. Trop à l'aise, c'est une ligne qui voilà, c'est une ligne qui est souvent très simple. Mais toi, tu n'as jamais cherché cette oui, ligne. Oui, mais parce que moi, je sais ce que je veux. Mais aussi, peut-être l'exception, c'est que moi, je ne suis pas directement venu en Europe pour me dire je joue au foot, je vais être un footballeur. Mm-hmm. C'est un hasard, je vais dire, je savais jouer au foot. Mais pour moi, pour mes parents, il fallait déjà apprendre, avoir un diplôme, avoir quelque chose. Et quand je suis arrivé en France, j'ai eu le temps de faire certains boulots mm-hmm. avant d'aller à l'école. J'ai eu le temps de faire des petits boulots. J'ai eu le temps de travailler, aller faire la plonge dans les pizzerias, laver des assiettes et tous des trucs comme ça. Et franchement, quand tu as un bon boulot, un hobby, quelque chose, tu gagnes de l'argent et tu fais qu'est-ce que tu aimes. Allez, pour moi, il faut être à 200%, il faut être mm-hmm. motivé. Il faut prendre le plaisir et il faut travailler pour l'avoir le plus longtemps possible. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke kleedkamer? Ja, nummer 7. Nummer 7. Tony, c'est le responsable de la jeunesse. Ah. Goed. Ça va? Ça va? Hey. Ça va? Goed. Hey. Goed. Je mets mes chaussures aussi, les gars. Een goede afwerking vandaag. Je hebt de televisie, alles. Hè? Allez, come on. Allez, les gars. Tu aimes bien le système de play-off? Au début, quand ça a commencé, je me souviens, j'étais à Gand, je me disais non, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais je pense, pour quelqu'un qui connaît pas ou qui il va se dire, mais pourquoi faire autant? Mais pour un joueur de foot, c'est bien. Mm-hmm. Parce que quand tu as déjà joué les play-offs 1, et que tu as joué les play-offs 2, c'est une motivation de plus pour les joueurs mm-hmm. de se dire je vais faire tout pour jouer les play-offs 1 parce que tu as 10 matchs de vraiment de très haut niveau qui sont pas loin des matchs d'Europa League en phase de poule parce que c'est des matchs qui sont intensifs avec un niveau de jeu. Tout le monde élève son niveau et je pense aussi que ça donne de la valeur au championnat en Belgique parce que les 10 dernières journées de play-offs 1, tout le monde veut les voir. Mm-hmm. Et pour ça, moi, je dis, OK, je suis d'accord. Après, ceux qui jouent les play-offs 2, c'est leur faute. Hein. C'est... Vous n'avez pas été capable d'être à la hauteur. C'est vrai que certaines équipes partent avant avec moins de points parce mm-hmm. que mm-hmm. le top est souvent sûr d'être là. Mais oui, j'aime bien ce système maintenant. Mais tu n'aimes pas les play-offs 2 parce que tu préfères les vacances avec les enfants. Oui. Mais oui, oui, mais ça, je l'ai dit, et ça, tu me connais, c'est toujours les blagues que je fais, et mon, j'aime bien faire rigoler un peu. Mais c'est pas seulement pour rigoler que tu dis ça. Oui, mais pour sortir quelque chose comme ça, c'est vraiment pour dire que les play-offs 2, c'est ennuyeux, parce que même les supporters, voilà, ils préfèrent aller faire autre chose que venir au stade, parce que je trouve que pour jouer les play-offs 2 devant 3000 personnes ou 4000, comme un match amical ou quelque chose comme ça, pour un joueur de football, ce n'est pas intéressant. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, allez, c'est mieux de jouer avec ses enfants dans le jardin. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Pour dire aussi à mes collègues, à mes potes, je leur dis, tu sais, si on est en play-off 2, OK, tu vas être déçu, mais pas encore. Mm-hmm. Tu vas être déçu quand les play-offs 1 vont commencer et que tu vas être assis devant ton canapé et tu regardes un Bruges-Charleroi ou un grand match, tu vois le stade, l'ambiance, tout le monde est intéressé par les play-offs 1. C'est là que tu vas être déçu. Parce qu'au début, tu vas juste dire, OK, on est... Mais la déception, ça va être pendant 10 journées de play-offs 1. Et moi, personnellement, je veux jouer les play-offs 1 parce que
En plein fond, je suis souvent meilleur, je suis bon, donc... non, je rigole. Bien joué, bravo. Ici, on va faire un 1-2 avec toi, Brian. C'est comme ça, tu viens jusqu'ici. Brian, il vraagt de bal in die andere kant. Et là, tu joues sur le pied droit, in the right foot. Ok? Tu as un défenseur, ok, tu peux les chercher, mais dès que tu es devant le gardien et c'est un face-à-face, là, il faut être un tueur. Marqué! Wow. La fin d'une longue journée. La fin d'une très longue journée. Des journées comme parmi d'autres. Mais tu t'amuses, hein? Oui, je m'amuse parce qu'avec les jeunes, moi j'aime bien ça. Et quand je peux apporter quelque chose à eux, à la finition, quelque chose d'attaquant, un peu d'expérience, le moment où il faut partir au premier poteau, qu'il faut faire un appel avant, second et venir, et les deux autres, et pour finir. Donc c'est des petits détails, mais peut-être c'est important pour les jeunes. Il y a à nouveau un Bayolet dans... Oui, les talents. Il y a quelques mois, il y a Brian, il y a Don, il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose dans les jeunes. Quand tu es à cet âge-là, il faut être assez habile en finition, une bonne frappe et être plus intelligent. Et tu vois ça dans le déplacement, dans les courses qui sont un peu intelligents. Et comme ça, tu peux travailler avec eux. Et est-ce qu'il y a un nouveau Francky Dury dans Bayolet? Oui, mais moi j'aime bien et je pense qu'avec Francky, allez, j'apprends beaucoup de choses parce que Francky, tout ce qu'il fait, c'est très tactique, c'est très... Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de faire quelques entraîneurs comme Michel Prudhomme. Et quand tu as travaillé avec lui, quand tu vois ce qu'il fait, tu peux toujours apprendre. Et ouais. Ça, c'est des entraîneurs sur qui tu comptes prendre quelque chose. Et allez, après, si tu veux faire quelque chose, tu choisis, tu dois prendre quelque chose de toi-même. Mais c'est une possibilité qu'on te voit encore comme entraîneur? Ben, j'espère, j'aime bien, peut-être, je sais pas quelle catégorie c'est, et tu sais... C'est le plus haut niveau, par exemple. Oui, j'espère, mais le plus haut niveau, vous savez, il faut avoir un club qui te donne la chance, mm-hmm. Il faut avoir des gens qui ont confiance en toi, et par rapport à mon expérience de joueur de foot sur le terrain, et l'expérience, ce que je sens, j'espère un jour avoir cette petite chance de le faire, parce que j'aime bien ça. Mais d'abord, tu as quand même encore plein d'ambitions comme joueur aussi, je pense. Oui, oui. Parce que tu as maintenant 33 ans. Tu veux continuer comme... Moi, j'aimerais bien jouer encore 3-4 ans. Donc, ouais. 3-4 ans. Après, je pense que quand tu joues à l'âge de 35-36, quand je vois des joueurs comme Simons à Bruges, mm-hmm. Quand tu vois Pavlovic jouer, c'est des joueurs qui sont âgés, mais qui jouent encore. C'est parce qu'ils jouent intelligemment et parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie aussi, je suppose. J'ai fait toute ma carrière en travaillant plus que les autres ou en essayant de faire plus que les autres. Donc, allez, je tiens toujours sur cette corde jusqu'à ce que j'ai fini. Bonne chance. Merci. Et on se revoit pour l'interview quand tu es entraîneur. Voilà. À la prochaine.